Héros. Let's go. Je passe en petite pause clope. Alors, notre ville qui s'embellit et qu'on va continuer d'embellir. Ok, même si un hôtel est relié, la distance, machin. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est toujours le rhum et les manteaux de fourrure, le problème. Là, je sais que pour les montres à gousset, il manque de l'or. Mais à un moment, je manquais de charbon. Je sais pas pourquoi c'était décoché, là. Pourquoi ça fait ça, à chaque fois? Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Pourquoi ça désactive, en fait, le truc. Je sais même pas à quoi ça sert, en fait. Ah oui, on avait dit qu'il fallait faire du cognac. Mais attends. C'est pour leur bonheur? Non, c'est dans les besoins de confort? Ok, mais que là, ça soit décoché, ok. Ah, mais attends. Ok. Ici, j'ai une vie somme toute. J'ai pigé. Par contre, je pourrais activer la laine, hein, plus l'argile pour les artisans maintenant. J'ai largement ce qu'il faut. C'est vrai que le papier, je pourrais aussi le faire venir d'Embessa. Normalement, sur mon bateau d'Embessa. J'ai tellement la tête à mon travail que j'en oublie parfois de manger. Bah alors. Attendez, le bateau qui va à Mbessa. Non, il est plus bas. C'est celui-là. Parce que du coup, je peux ramener là de Taborimé 50 feuilles de papier. Je crois que j'en avais beaucoup. Si je les trouve. Là. Comme ça. En plus, c'est un cargo. Bonjour, Chicotaille. Et du coup, oui, mon stock de laine. Je pourrais, ouais, pour l'instant, ça va, ça a l'air d'être en grosse. Ouais, c'est en grosse hausse, je vais désactiver Continuez comme ça, je vous le dis. La farine, je suis pas sûre, mais je peux en reposer sinon. La farine, c'était. Il y en avait sous électricité, il y en avait un peu là parce que j'aime bien sur les falaises. 124, je suis en hausse. Non, je suis en basse. Je vais juste décaler celui-là sous électricité et ça ira bien. Par contre, je sais pas trop comment je vais faire encore là. Sur la déco. Bon, il me faut plus de fenêtres de toute manière pour plus de tout de gratte-ciel. Les expéditions, il y en a une qui est en cours. Ah oui, il y avait le Great Eastern et qu'il fallait que je. Il fallait des moteurs. J'avais refait du laiton. Pour saluer le chef.
Parce que là, ça fonctionne, mais j'en emporte un peu. Je crois qu'il faut que j'en refasse, hein, parce que je me posais la question hier, mais... Si j'avais refait celui-là, c'est limite. Hein. C'est que j'ai plus de place sous électricité, en fait, après. Mais même là, parce que j'ai que ce coin-là, en fait, ici. Je vais refaire ça, mais il me reste un petit peu de place là, mais là j'ai l'hôtel, donc je voulais pas venir là, en fait. Ça m'ennuie un peu d'avoir une usine ici. Goûtez l'assortiment maison, vous m'en direz des nouvelles. Par contre, attends, 600 touristes. Des fermiers, cela existe encore. À bien y repenser. Un anniversaire, cadeau précieux et feu d'artifice. Sans doute qu'il braconnait d'ailleurs. Préparatif. 40 minutes. Il faut que ce soit un triomphe. Oui, il me manque beaucoup, beaucoup de choses, hein. Les grandes, c'était à cause du. La formule est incomplète. C'était à cause du manque de caoutchouc à un moment, mais j'ai dû régler le problème. 66. Est-ce que je peux faire venir sinon? Lentement, très lentement. Mais sûrement. Confus, difficile cette production. Je suis limite en goulash aussi. Ah, il me faut des PNJ qui boostent. Hein. Je développe des trucs. 29 000 points, pardon. Là, on est en train de développer elle. Plus le curé. Productivité plus 25%. Ouais, toi, je te veux. Ça, c'est bien pour les résidences d'érudits. Ça, c'est très bien. Mais du coup, il me les consomme que quand je passe à la file. Et du coup, ça prend tellement de temps. Non, pas de découverte majeure. Vous êtes si généreux. Je continue d'identifier des objets. C'était trop bien lui. Merde. Pourquoi c'est passé? Je comprends pas. Je pensais pas que ça passerait. J'avais pas assez de points. Je pouvais quand même identifier. Chelou. Salut Balthazar. Chicotec, t'as réfléchi sur comment pouvoir gagner de la place dans ta ville et t'as remarqué qu'à partir des artisans, le besoin à l'accès au marché n'est pas présent. Crois-tu que l'enlever de leur champ de vision nuira à leurs besoins? Bonne question. Je suis pas sûre que tu puisses upgrade les maisons si t'as pas l'accès au marché. Attends. L'endroit est magnétique. Test. Non, regarde, tu vois, tu peux pas. C'est l'icône du marché, dans Besoin Inassouvi. Donc pour moi, il faut quand même que tu aies l'accès au marché, sinon tu peux pas upgrade la baraque.
Si je mets 10 000 ingénieurs sur l'institut, les recherches tombent à 10 minutes. Ah oui, c'est vrai que je pouvais faire ça. J'avais oublié. Du coup, des ingénieurs... Moi, ouais, j'avoue, je peux faire ça, ça diminue pas mal. Hein. Quand même que j'en laisse un petit peu dans le stock. Au cas où. Mais ouais. Merci, j'avais oublié qu'on pouvait faire ça. La culture, c'est plutôt votre rayon. Oh bah t'es bien toi, je te veux. Applique un bouclier au navire, même en combat. À la place de ça. Navigation, puissance navale. J'enlève la navigation, j'enlève peut-être... Je sais pas. Parce que ça coûtait très très cher ça. Voilà le talon d'Achille. C'est quoi le talon d'Achille? Dommage, pourquoi? J'ai pas suivi. Du coup, l'huile de coco pour le shampoing, c'est un peu short. Avec juste 50. Fait que j'augmente encore mes entrepôts, hein, je peux stocker plus. On va faire comme ça. Même là, bon là 1600 c'est plutôt bien. Sauf que là, attendez. Les entrepôts, mais... pas tout au même endroit. Dire que c'est déjà bien. De quoi j'ai besoin? Booster ma production sur certains trucs. Mais ça, je suis en attente de PNJ. Ah, il faudrait peut-être éventuellement faire des cartes au trésor. Ah oui, attends, lui pour les gratte-ciel. 10% d'entretien, bonheur plus 5 et ravitaillement. Chewing-gum, billard et violon. Ouais, il y a plein de mal de trucs que j'ai pas encore. Altitude de croisière. Parce que là, j'ai pas mal de gratte-ciel ici. Là, j'ai déjà plusieurs PNJ. Je vais faire quand même quelques upgrades de gratte-ciel. Cela d'abord. Il me faudrait plus d'ingénieurs. J'en ai mis un gros paquet sur le truc des Audi. Là, le festival va se terminer. Et magasin de meubles, j'avoue qu'il me faut 3 niveaux. 3 gratte-ciel niveau. 5 gratte-ciel de niveau 3, pardon. Oh, et le bar qui est débloqué pour les touristes. Et la limonade. J'ai dû recevoir ce qu'il me fallait pour la limonade. J'ai pas reçu encore le sucre. Ça devrait pas tarder. Par contre, faut que je fasse un peu de place là, non? Ah bah ouais. Hein.
Est-ce que ça pourrait être... Sans trop que ça gêne. Hein. Peut-être que là, comme ça, c'est pas mal ici. Je déplace... Là, oui. Attendez, ça rentre? Non, faut que je décale les deux autres. C'est bien là. Imaginez une boisson qui ferait somnoler les anciens d'Enbessa avant un sermon. Quelle boisson ce serait? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans le bar? Enbessa Sunrise, absinthe, daiquiri tropique. Alors, le daiquiri tropique, il faut de la canne à sucre, des bananes et du rhum. Peut-être pas être le plus facile là tout de suite. L'absinthe, il faut des plantes. Là, il faut des pétales d'hibiscus, là, des épices. Ah! Je galérais pas mal avec les plantes, hein. Mais je crois que l'absinthe, c'est peut-être ce que j'ai plus simple à faire. Mais attends, parce que mezcal, c'est pour... C'est pour le Nouveau Monde, ils boivent pas de mezcal ici. Je crois que je pars sur l'absinthe. Je dois récupérer Jemima avant d'aller goûter ce nouveau plat. Par contre, est-ce que je suis pas trop loin d'un entrepôt? Scandale, scandale, scandale. Ça m'agace. Hein. Le prétexte créatif. Je sais pas comment le contrer. Hein. Enfin, je sais le contrer avec des colis alimentaires du coup, mais... C'est bien ça, je suis trop loin de l'entrepôt là. J'avais pas encore l'icône qui s'affichait, mais. Est-ce que là c'est pas trop loin? Parce que ça serait. Ok, ça passe, c'est limite, mais ça passe. Cette île appartient-elle à votre reine? Tu veux aller où toi? Ah non, 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 pas dans l'Arctique. J'ai même pas tout vu encore dans l'Arctique. Ils ont abandonné les bateaux. Je préférerais utiliser un kayak. J'étais là. Suivre les empreintes depuis. Ces nuages ne disent rien. Les brises-glaces. Regardez, des empreintes bien nettes qui s'éloignent des bateaux. Itinéraire de vol calculé. Je regarde juste la MBSA, j'avais mon île là qui... Oh putain, non j'ai eu peur, j'ai cru que qu'il l'avait récupéré. Je voyais ça, là ça m'a stressé. J'ai écrit un poème, nous avons une dette envers vous. Rejoignez le berger. Bon, ça va me prendre trois plombes ça. Cap sur les coordonnées désignées. Barre sur le cap. Ah, là. Entrée du journal de Sir John. Salut Elendil.
s'aventurent. Ah oui, Shikotai, oui, désolé, ouais, pour le marché. Mais ouais, ils ont tous besoin d'un marché à côté. Dans le nouveau monde, les entrepôts de la Hacienda sont bien sympas. Oui, ils prennent pas trop de place, c'est vrai. Ok, c'est ça. Productivité pour la pêcherie de baleine, d'accord. On tient le cap. Je me sers du boréal pour mes routes commerciales après. Mais attends, parce qu'ils sont... Non, ils sont venus là, mais... On tient le cap. Musicienne, vous dites ? Magnifique, n'est-ce pas ? C'est là. Il y a des traces de pas là, mais ça se... On voit plus trop. Droit sur le cap. C'est des morts, ça. C'est des gens qui sont morts. Je crains pour leur vie. Matt Simon Wolf. En manœuvre. Ça se récupère, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ferraille de l'expédition perdue. Ah oui, mais en plus avec la neige, ça recouvre le brouillard au fur et à mesure que j'avance. Donc, attends, faut que je revienne en arrière. Parce que par là, il n'y a rien l'air d'avoir. C'est que ça va à droite après. En manœuvre. Pourquoi mon économie est en négatif? Droit sur le cap. Qu'est-ce qui se passe? On tient le cap. Là, il y a plein de morts. Itinéraire de vol calculé. Mais ils ont pas pu aller plus loin là. C'était bloqué après. Droit sur le cap. Pourquoi je suis à moins 8000? En manœuvre. Mes résidents aussi ils chutent, mais c'est pour ça que je suis à moins 8000, moins 10000. Je regarde ce qui chute, mais un peu tout, je crois. Itinéraire de vol calculé. Ça doit manquer de trucs. Quels sont vos ordres ? C'est pas genre tous les largages que j'ai eus, là ? Phase de l'effet 3 sur 3. La tour tient toujours debout. Mais... Je vois pas d'où ça vient. Ça remonte. Donc ouais, c'est ça je pense que ça manquait d'un peu trop de ressources en fait pendant quelques instants et par-delà à l'horizon. Est un pays où la vie et l'amour sont sans fin. Non, parce que ça remonte là. L'air est empli du parfum. Je voulais voir les plantes du coup à Manola pour les faire venir. Mais ouais. Salut Dark. Salut Artemis. La journée, ouais, ça a été. Mais doucement les flatteries, hein, s'il te plaît. Plus on est fou, c'est plus un peu trop, un peu trop. Non, non, mais c'était momentané, la grosse baisse là.
juste un petit manque de ressources qui devait arriver, probablement en bateau. L'histoire se fera l'écho de vos prouesses. Ouais, du coup, les plantes, c'est quand même tendu, parce que j'ai bien une goélette qui m'en apporte, plus un aéronef. Et du coup, l'aéronef, là, il est pas plein. Il y en a que 34. Et la goélette. La goélette, c'est bon, elle est remplie. Et du coup, pour en faire venir en plus. Ou alors, je fais directement de là vers Conchil. Flottabilité neutre atteinte. Là, ce qui me dérange, c'est que c'est trop long les aéronefs pour décharger. Je sais pas si c'est le fait que ça soit des petits, mais bon. Quoique là, je suis un peu trop dans la sienda après. Deux de plus, je suis pas sûre que ça suffise pour autant. Je pourrais me décaler encore un peu. J'ai déjà connu pire. Peut-être refaire encore un entrepôt. Ou deux. Et faire venir les plantes de Manola. 50, je sais pas si ça suffit. Faut que je fasse un stock minimum par contre. Ça va peut-être être un peu chaud. Je prends ça. Thank you.
Ok. Qu'est-ce qui explique que les bénéfices soient dans le rouge parfois? Non, c'est juste les ressources. S'il manque d'une ressource à un certain moment, tu perds de l'argent. Donc s'il manque trop de ressources à la fois, du coup t'as ta population qui baisse et tu perds de l'argent à chaque fois. Donc c'est juste ça, c'est les besoins qui sont pas comblés en temps et en heure. Et ou un manque, un problème dans la production à un moment donné. Et... Non, puisque là, ça fluctue quand même vachement. Là, j'étais redescendue, j'avais perdu quasiment 20 000 sur Crown Falls, mais du coup, je pense que c'était l'approvisionnement de certaines ressources. Les manteaux de fourrure, probablement. Le café, à un moment, qui était descendu trop bas. Donc, pour moi, c'est ça. J'ai des points à reclaquer pour l'institut de recherche. Oh là là, j'ai de la chance là, que des légendaires. Incroyable. Il reste plus que ça ou quoi? 3 minutes pour elle. Il faut que les barres soient vertes. Oui, ouais. Il faut que les barres soient vertes. Ouais, c'est le mieux. Là, c'est un colis positif. On est paré. Du coup, j'étais perdue dans la neige. C'est que j'étais partie de là, mais attends, je suis là, je t'ai monté, j'avais perdu les traces, j'avais vu tout le monde qui était mort. Ah, lire les notes, attendez. Si je lis pas les notes. Seules deux des trois équipes sont rentrées, je crains qu'Edgar Koch et ses amis, ses hommes, on a connu un sort tragique, mais c'est un risque que nous avons tous accepté. La nature ici est décidément impitoyable. Qu'y a-t-il de mal à ça ? Les hommes ont débouché sur une impasse. Quant à Deus Benispatil, il est revenu avec de meilleures nouvelles. Nous passerons par le chemin qu'il a emprunté. Le sol paraît trop fragile pour supporter le poids du canot. Mais nous improviserons comme toujours. Ils sont restés là quelque temps. Itinéraire de vol calculé. Après ? Mais attends. Est-ce que je l'ai bien vu, le mec qui était tout seul là ? C'était de l'autre côté. C'est pas en bas sinon? Ou c'est de là où je viens? Je sais plus, je suis revenue sur mes pas là. C'était venu d'ici, j'étais partie de là. J'étais montée là. Et c'est à gauche. Là où il y avait le mec qui était tout seul. Hein. Attends, je suis allée à gauche. J'étais montée là, et là il y a des traces, mais j'étais allée par là. Oh, je sais plus ce que j'ai fait. Ou c'est là, ou c'est là-haut. C'est lui là qui a crevé tout seul, hein. On disait que c'était par là. Il y a rien là. Itinéraire de vol calculé. Je vais remonter encore. Est-ce
Parce que j'avoue que ça me stressait tout à l'heure de plus avoir de sous. Je vois là mon économie, je suis quand même pas mal hein, encore. Mais c'est un cul-de-sac là. Je sais plus. Son recrutement n'est pas un mince. Tiens le cap. Le développement d'objets est terminé. Mais je sais pas, j'ai déjà été à... j'ai été partout. Là-haut, c'est un cul-de-sac. À droite, ils sont tous morts. Et à gauche, il y a un pélo qui est mort aussi. En manœuvre. Je ne sais plus. Je ne sais plus où aller. Il n'y en a pas un qui est parti genre... Donc tout ce groupe là, là. S'il y en a un qui est parti tout seul en haut. Sinon ils ont pas dû passer... Itinéraire de vol calculé. C'est pas pu aller bien loin. Ah, ça. Ça se récupère ça ou pas? Part sur le cap. S'il y a une caisse là, c'est que c'est bon signe, non? Sur le cap. Mais là, il n'y a pas du tout de traces de pas. Hein. On tient le cap. Qu'est-ce que j'aime pas les quêtes. J'ai l'impression de perdre mon temps. Et je suis à moins 25 000, sa mère. C'est beaucoup trop. Et ça serait pas mon bar là qui. Si je l'arrête. Ça peut pas être mon bar tout seul. Mais pourquoi on est en négatif ici? C'est fou. Pourquoi je perds de l'argent là? Il n'y a plus de rhum, il n'y a plus de bijoux. Mais normalement, c'est pas la catastrophe. C'est pas autant la catastrophe que ça, je comprends pas. Je passe de 0 à plus 5000. Parce que j'ai activé les besoins. Attends, c'est peut-être ça. C'est peut-être les besoins de confort que j'ai activés et que... Frustré. Parce que c'est ça qui a changé, c'est les besoins de confort. Normalement, pour eux, c'est bon. Ça, c'est mérité. Ah, non, les grands bis sur les ouvriers, c'est pas bon, ça. Il va falloir que je m'emploie. Là, les ingénieurs, ils mangent du chocolat, c'est ok. Par contre, les shampoings, c'est pour les touristes. J'en ai pas assez pour l'instant. Je pense que c'est ça. J'ai activé, en fait, c'est ça. Quand j'ai activé les trucs dans le marché, au niveau des besoins de confort, et je pense que c'est ça qui a merdouillé. Un résultat à la hauteur de l'investissement. Et là, c'est bon, du coup. De recherche bloquée. Point de recherche manquant. Ah. Ah bah je suis obligée d'attendre du coup. Ces expériences pourraient changer notre avenir à tous. Ça prend une heure. Amélioration de l'embarcadère. Je l'ai fait parce que je sais pas ce que ça fait. Attends, eux c'est bon.
C'est au niveau du bonheur. Ça remonte. Mais ça me stresse, hein. Oh, diantre, vous tombez à pic. J'allais justement me laisser tenter par un... Ça fluctue beaucoup trop. L'habitude de porter un casque de chantier. Attendez, c'est que je manque beaucoup de charbon. Ah non, pas comme hier. Ah, c'est pas vrai, il va pas refaire la même chose. Putain. Parce que c'est ça, c'est qu'en fait, il me prend plus le charbon. Il suffit d'un truc, hein. Un truc qui merde. Et en fait, il me ramène plus le charbon, là. Et comment ça se fait qu'il y en a si peu? Il est censé me ramener en fait l'acier, donc du coup ça doit manquer d'acier là-haut. Et ça foire toute la chaîne de production. Ça va passer par-dessus bord. C'est bon. Du coup on va ramener ça. Ah, je pensais que j'en avais fini avec ce bateau qui faisait de la merde. C'était pour délocaliser la pollution, mais... Du coup, j'ai ramené du charbon qui est là. Mais sans charbon, je fais pas de bijoux. Enfin, je fais pas d'or. Sans or, je fais pas de bijoux. Et du coup, ça me manque au niveau de l'acier aussi. Là, j'ai plus de stock, je suis à zéro. Donc je pense que c'était ça qui a fait tout foirer. Bon courage, Arc. Bon après-midi. Allez, dépêche-toi de revenir. Voilà, je suis pas du tout dans le sens du vent pour le retour. Bon, normalement, si ça devrait permettre de régulariser, je pense. Et du coup, j'ai plus assez de farine. On est au petit soin. Parce que du coup, le blé aussi, ça merdouille. Allez, mes fermes céréalières qui reprennent. Mais c'est ça, hein, c'est des couilles dans les productions. Arrêt total. Et là, les ouvriers qui ont bien descendu aussi. D'ailleurs, je vais peut-être faire quelques ouvriers là. Faut que j'ai pas prévu d'église, mais elle pourrait être là, mais j'ai déjà décoré, ça me fait chier. Je suppose que je vais refaire quelques habitations. Hein. Ah sinon, il y a ceux-là à upgrade. Regardez comme ça remonte d'un coup là. Du coup, il faut peut-être encore une charbonnière ici. Hein. Mais ouais. Je sais pas assez pour les habitants.
mince. Oh. Je ne l'ai pas jeté par-dessus bord, c'était une erreur. Bonne soirée, Balthazar. Bye. Et du coup, le PNJ qui a été développé, elle, ça m'augmente l'attrait d'un amarrage public capitainerie. J'ai pas fait de capitainerie du coup là. Au niveau de l'amarrage public. Ici c'est bien. Prêt à voler. Et toi tu repars. Sans faire du coup parce que là c'est bon. Quoi faire. En plus, faut que je ramasse qui est encore par-dessus bord. Allez, on y va. Quand on travaille dur, ça paye. Ça manque de vêtements. Surprise. Un peu plus de charbon. On me donne de nouveaux horizons. Bon bah ça a disparu. Attends, non, putain, reviens. Viens te charger. On va pas prendre trop de charbon là ce coup-ci, mais je vais quand même prendre ce qu'il y a. C'est 10. Voilà. Nouveau niveau de palais, métropole impeccable. Donc là, moins 50% de main d'œuvre, non. La productivité avec l'électricité, je préfère. Plus un emplacement d'équipement pour les capitaineries. Bah non. Non, c'est bien. Par contre, je vais refaire des modules. Du coup, je vais juste casser cela. Je vais refaire une porte là. Non, attendez, pas comme ça. Les fenêtres. Je voulais faire une jonction. Peut-être pas comme ça en fait. Peut-être juste un angle. Revenir vers l'intérieur. Ça manque de fenêtres. J'ai combien de modules ? Non, je peux pas. Bon, on reviendra plus tard. Ok, je le fais repartir, lui.
j'ai ma famille. Ok. Bon, là, tic, repartons. Mon économie, c'est mieux. Je survivrai. Ne vous en faites pas pour moi. Et je vais y arriver, je vais bien finir par trouver quand même. Je comprends pas ici parce qu'il y a pas les. Il y a pas les cadavres. Je vais relire. C'est l'ouest. Trois sur le cap. Puisque c'est des yeux qui est parti vers l'ouest, au-delà des dunes enneigées, et c'est le seul à être revenu avec de meilleures nouvelles. On tient le cap. Mais là, les traces s'arrêtent ici. Ça reprend là. Mais du coup, là, il y a des cadavres. Il y a les traces qui s'arrêtent. Ah, ça reprend là. Là. Ok, on tient le bon bout, je crois. Oui, si j'étais pas allé jusque là. Peut-être les mises en garde des Inuits étaient-elles justifiées. Le désert de glace est retors, et nous avons perdu autant d'hommes que de matériel. Je lis le désespoir dans le regard des vivants, maintenant que gisent leurs compagnons enfouis sous la neige. Leur colère est compréhensible, surtout que les vivres nous feront bientôt défaut. Ce sont néanmoins des hommes loyaux qui savent pertinemment qu'ils n'ont aucune chance de survivre seuls. Ils ne défieront pas mon autorité que si je m'avoue vaincu. Or, je m'y refuse. Une montagne escarpée se dresse droit devant. Le cœur m'est tombé dans les talons quand je l'ai aperçue tout soudain. Et la périlleuse ascension qu'elle va nous imposer me fait frémir d'avance. Le moral des âmes est déjà au plus bas. Ce serait me renier si je leur demandais de tourner les talons pour braver à nouveau le désert de glace que nous pensions derrière nous. Non, nous irons droit devant, et au sommet, c'est le spectacle des eaux scintillantes du passage nord-ouest qui nous accueillera. Ils ont tout laissé derrière eux avant d'entreprendre l'ascension. Et donc... Ils sont montés ? Ah bah, il y a du monde là, oui. On tient le cap. Mais... Ok, ça reprend ici. Il y en a qui ont réussi à grimper. Je sais pas comment, mais il y a encore des morts, là. Et là. Il y a une autre page de notes. D'autres traces. Mais ça s'arrête là. Je vais voir les dernières notes. Les montagnes ont coûté la vie à mon meilleur homme, le commandant Sturgeon. Sturgeon. Le pauvre diable tenait si fort à me donner raison. Nous sommes quelques-uns à avoir survécu, tenaillés par la faim et le désespoir. Pour supporter ses rigueurs, il faut manger à sa faim. Or, nous n'avons plus rien. Des ours ont grogné toute la nuit menaçant. Soit c'est eux qui nous dévorent, soit c'est nous. C'est le territoire des ours. Seuls les chasseurs les plus forts s'y aventurent. Ah, là. Ici. Par là.
Je suis des cadavres. Itinéraire de vol calculé. Ah, les ours, c'est d'autres cadavres. Trois sur le cap. Puis ça remonte. Oh, petits ours blancs. Il y a un bébé. Mais ils étaient nombreux quand même, hein, parce qu'avec tous les cadavres qu'il y a eu sur la route. On tient le cap. Encore là. Une tempête se lève. Votre engin volant va être bousculé comme une feuille dans le vent. Mais ça s'arrête là. Sur le cap. Ça reprend. Ah, il y a quelque chose ici. C'était encore une page de notes. Trois sur le cap. Bon alors attendez, on va dire, parce que je sais pas où aller. Attends, 7 août, 3 août, c'est à moi le lieutenant-commandant Rémy Desieux que Sir John a confié la tâche de remplir son journal, car lui n'en a plus la force, et là je crains de ne plus en avoir pour longtemps moi-même. Ah oui, l'exposition est remballée. Nous ne sommes plus la proie des ours, mais nous errons depuis des semaines, privés de boussole parmi de hautes vallées semblables les unes aux autres. Nous ne sommes plus que six, moi-même, le capitaine John Faithful, Sargent, le premier lieutenant, Little, un ingénieur, Oxon, un aide chirurgien, et Irving, un mousse, un brave garçon dont personne n'a osé se repaître. C'est que la viande d'ours a fini par manquer, voyez-vous. Sir John nous a fait jurer de garder le secret, mais à qui croit-il que nous confesserons cette atrocité? Sir John parle à nouveau, il dit qu'un grand moule a visité en songe et qu'il veut nous rencontrer. Nous ne sommes plus que trois, Sir John, Irving et moi, Rémy Desieux. Nous honorons la mémoire de Sergent Irving et Oxon. Nous honorons la mémoire de tous ceux qui sont tombés, qui sont morts de froid, de faim ou de maladie, de ceux qui ont péri noyés ou lacérés par des ours, de ceux qui ont trébuché, happés par le vide. Et nous honorons ceux qui ont tiré la courte paille, qui ont donné de leur sang et de leur vie, quand nous n'avions plus rien à manger, en vain. Si un passage existe, nous ne l'avons pas trouvé. Il a beau être fou allié, je suivrai Sir John jusqu'au bout. Irving est notre ange gardien, un mousse féroce à la force surhumaine qui a repoussé à lui seul des hommes faits que ses cuisseaux alléchaient. L'espoir s'est éteint. Le royaume de la nuit est celui d'un Maroc. Parce que là, ça c'est un cul-de-sac ici. Les hommes qui ont suivi votre Faithful jusqu'ici, ils n'ont plus rien d'homme. Sur le cap. Il y a encore des traces. En manœuvre. Sont-ils vivants? Mais c'est qu'ils sont vivants? Ah! Je m'en rappelais plus qu'ils étaient vivants. Trois sur le cap. Attends. Allez. Le cap. Ah, j'avais oublié. Là, c'est mort depuis longtemps, mais ça bouge encore. Amarok les a épargnés pour que leur histoire soit transmise. C'est trop tard. Trop tard. Ils sont tous morts. Les dieux m'ont puni de les avoir défiés. Nous étions condamnés depuis le début. J'ai péché par orgueil. C'est mon ambition démesurée qui nous a perdus. J'aurais dû mourir avec eux. J'aurais dû mourir. John. Mon John. John n'est plus.
Je suis un fantôme, exilé pour l'éternité dans cet enfer blanc. Quoi que tu puisses en dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour te retrouver, John. Et je ne compte pas baisser les bras. Je n'ai jamais pu avoir le dernier mot avec toi. Pardonnez, Sir John. Il a traversé une terrible épreuve et tous ses hommes avec lui. Je vous serai à jamais redevable. Et je n'omettrai pas de vous récompenser, croyez-le bien. Mais pour l'heure, je dois ramener mon temps de repos auprès des siens. Bon, ça c'est fait. Ok. On a retrouvé Sir John. Il y a eu 3 survivants qui ont pu renouer avec leur famille. Sir John a été décoré pour son commandement et a balayé avec force les accusations de cannibalisme. Personne n'a dévoré personne. Ah ouais ? Ils se seraient même pas croqué les mollets entre eux. Par contre, ouais, pour le gaz, je sais plus. Parce que coloniser un plateau arctique, qu'est-ce qu'il nous faut? Je sais plus si il faut genre des planches pour coloniser. En manœuvre. Je vais aller voir. On va se déplacer là et on verra. Rejoignez ensuite le clipper de Lady Jane. Et ouais, j'ai pas pris d'île en plus. Celle-ci m'intéressait pas, mais ça, j'avoue que celle-ci en bas, oui. Attends. Non, quoique les ressources sont exactement les mêmes. Bonsoir Geek Phoenix, ça va bien. Ça va tranquille. Oh, merci pour tes 8 mois d'abonnement, merci beaucoup. Toi, ça a été ta journée? En attente d'un cap. Ah, attends. Il me faut du métal. Des planches et du métal. Trois sur le cap. On va faire ça. Ah, et là mon clipper. Il fonctionne normalement. Parce que du charbon, ça serait mieux si je pouvais en prendre 100 au retour. Nous n'avons pas les éléments pour produire une réaction. Et ouais. Mais c'est ce qui était prévu en fait. C'est ce qui était prévu, mais du coup j'en ai pas assez. Je peux pas upgrade encore mes paysans. Mais c'est que c'est pas assez les vêtements de travail. C'est un peu juste ou pas. Sinon les plantes elles ont bien dû arriver non? Pour le bar. Garder en bouchon trop longtemps, ça va se perdre. Bah du coup non. Les réserves sont vides. Thank you.
fait voir du coup là. Parce que j'ai quand même réaugmenté la production. Il y en a quand même 56. C'est un petit peu mieux. Mais du coup là la goélette elle part un peu vide. Bon lui c'est bien. Oups, j'avais oublié de refaire une route là. Et je pense que je vais en faire encore deux. Sauf que j'aurais pu refaire un peu d'habitation. S'est établi sur une île. Oh, je suis pas le mien. Je devrais abandonner les navires à voile et faire uniquement des navires à vapeur. Bah, progressivement peut-être, mais pour l'instant, ce qui fonctionne continue de fonctionner. Donc, faudrait que je fasse des upgrades là, parce que j'ai beaucoup de journal Eros. J'en ai pas besoin d'autant. Conditions de vie sont inhumaines. Les transfuges du docteur anarchiste se sont échappés. Mais non. Votre temps est trop précieux. Restez chez vous. Ok, on va les laisser comme ça me semble bien. Bon, du coup, les plantes, peut-être que ça sera mieux. Là, ah oui, je manque encore de farine. Là, je vais me décaler, hein. On va les placer sous électricité. Vous ne feriez que nous condamner. Ah mince, j'ai pas une seule route là. Quelle est ça? La voilerie, on va l'éteindre. J'ai plus d'ingénieur. Oh. Sont en train de bosser avec les érudits, mais bon. Je suis encore en négatif. Oh, je vous jure. Est-ce qu'il faudrait pas que j'augmente mon nombre d'érudits, en fait? La vie d'étudiante
est en vie. J'ai pas encore la ragout de pêcheur. Faut qu'il soit 4000 pour les téléphones. 7000 pour la tour radio. Est-ce que quelqu'un sait comment on fait pour les comptes rendus du Nouveau Monde? Est-ce que ça, vraiment, je me demande. Bon, je vais peut-être refaire quelques érudits. Permis d'agrandissement de campus. Mais c'est que j'ai plus trop... j'ai plus l'accès à l'électricité après. Du coup, c'est avec l'artif, faut que je fasse venir du gaz. Hein. On peut utiliser un PNJ pour... Mais j'attends d'avoir des PNJ. C'est un peu nul tout ce que je reçois pour l'instant. J'en ai mal au cœur. Attends d'ailleurs. Peut-être virer un peu toutes les merdes. Et c'est pas bon ça? Ah, la tour de fer. Let's go, c'est bon. J'ai enfin tous les suffisamment de touristes pour le faire. Par contre, j'ai plus assez de briller. Et il n'y a pas upgrade vers ceux qui sont plus bas là. Mais je voulais laisser sur les paysans aussi. J'enlève le besoin en rhum déjà. Mais je crois que c'est en fait c'est à cause de ça, c'est quand j'ai coché ça et que j'ai pas les ressources, du coup je perds grave du fric. Ça manque d'une taverne et d'une église. Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. Voilà, ça ira très bien. Non, l'église, c'est bon, elle est là. En voilà une proie facile. Oh, encore la guerre de Anarlo. Ça faisait longtemps. Sur le déplacement de la Dame de Fer, la reine va me proposer une quête. Je les ai déjà eues les quêtes, je crois. Un de vos navires est attaqué. Ça suffit, Anne. Arrête de m'attaquer. Des concurrents sont désormais en guerre. Ouais, il y a ceux qui ont des armes. C'est rare quand nous en ressortons vivants. Bon, faut que je fasse quelques cessez-le-feu avant de refaire le traité de paix, sinon elle va sans arrêt m'attaquer. Et ça va être trop long. Trop bien.
Ok, let's go. Alors. Un peu trop collé là. Pour le moment, ça fera l'affaire. Hello 4-4. Sinon, oui, l'emplacement de la tour de fer, bah, j'espère que c'est bien. Hein. S'il faut déplacer, on redéplacera. Hein. On a l'habitude maintenant. J'ai beaucoup de vêtements d'érudits. Il faut que je fasse venir du ragoût à la place. Voyez comme le peuple s'est emparé de l'économie. Trois ragots, puisque là, vu les vêtements, c'est bon. Du coup, les vêtements de travail, on est blindés aussi. Qu'est-ce que je pourrais demander ? Vider hein, les stocks qui débordent. Je pourrais demander un peu de fourrure en plus. Il y en a pas ? Si, là. Je vais pas aller loin avec ça. Non, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Du chocolat. C'est pareil, 4-4, une partie à l'autre, souvent j'oublie plein de trucs. Je donne des voiles sinon. Contre là, c'est pas mieux les voiles. C'est pas vraiment mieux. Ouais, ça ira. Ça ira pour le moment. Je repère de l'argent. En force. Chercher le coca.
Mais j'avoue que du coup, il faudrait que je remplace mon car... un de mes clippers. Un de mes clippers de rhum, parce que j'en ai deux en plus. Qui sont full hein, par un cargo. Je vais refaire un cargo. J'en ai plus en stock. Ah, mais oui, c'est vrai que j'ai plus de moteur non plus. Bienvenue à la manutention. Pourtant, j'ai à nouveau de l'acier. Les moteurs, sinon, ils sont... J'ai toujours Moon City, je l'ai délaissé cette île pour me concentrer sur Crown Falls, mais j'ai bien des moteurs, là. Il n'y a plus de place dans les entrepôts. J'ai peut-être pas de moteur, en fait. J'en ai pas fait. J'ai pas fait de moteur. Mais j'ai plus vraiment la place. Attends, là j'ai de l'électricité. Faites au moins semblant. Faut que je fasse des trucs sur cette ville. Sauf que si je fais ça, j'ai pas l'électricité jusqu'au bout. Parce que là, j'ai bien mon tout. Ça a l'air d'être fonctionnel. Les armes lourdes, si j'en fais venir en fret. Attends. Je sais plus si j'ai des bateaux entre Moon City et Crown Falls. Pas trop de correction, j'espère. Par le courrier. L'idéal serait de fabriquer des machines à coudre en pagaille. Ils mettent des corporations avec les PNJ Bruno et Dario. Mais je les ai pas. Je vais pas les sortir de mon cul. Faut que je les développe ou que je les recherche. Et ça prend du temps. J'ai plein de PNJ qui sont en file d'attente. Mais oui, oui, je suis d'accord. Les PNJ, ça change tout. Mais faut les trouver. Mais il faut que je fasse un bateau entre Moon City et Cronfield. C'est ça, hein. Parce que là, j'ai pas mal de choses que je peux récupérer d'ici. Je peux envoyer là-bas. Parce que la ville ne me sert plus à rien. Il faut que je fasse des choses dessus. C'est le centre de recherche. Les érudits, oui. Mais tout est en file d'attente. C'est juste que, ouais, attends, faut que je fasse... Je fasse venir les moteurs. Je vais ressortir un clipper ici, hein. En attendant. Ouais. Attends, ah mais non, mais il y avait celui-là. J'espère que j'en aurai deux. Ça sera pas perdu. Du coup, ce que je vais faire... Je vais te prendre un peu de café. Des armes lourdes.
Non, en fait, j'aurais voulu ramener au moins les... Attendre que les moteurs se fassent, les ramener à Cronefield. Bon, j'arrête pas de dire Cronefield, mais c'est même pas ça, non, Cronefalls. Oui, l'Institut de Recherche, il est là. Mais j'en ai plein en fil, il reste 24 minutes, là. Je débloque au fur et à mesure. Ils vont recruter une pointure mondiale dans les domaines maritimes. J'ai trouvé tous les experts civils. On va garder un peu de points quand même pour quoi que ça va descendre vite. Elle est pas trop loin l'église là. Non. Manque du caoutchouc. Ah, le caoutchouc. Combien on en a ici? Nous met à mort vers Moon City, ouais. Lui, c'est bon. Je m'en fais pas. Non, attends, parce que pour le coup, de toute façon. Le coton, j'en ai moins besoin maintenant. Je crois que je déborde. Ouais, je déborde pas, mais je suis plutôt bien. Donc je pense que 50 en moins, pour rajouter 50 caoutchouc, ça serait bien. Salut NG Squad. Tu viens d'acheter le jeu? Et la version standard, est-ce que c'est pas trop pénalisant pour le jeu? Ou est-ce que le jeu de base est bien fourni? Bah non, c'est pas pénalisant du tout, la version standard elle est super déjà. Et je trouve pas... Non, c'est pas du tout pénalisant. Tu vas déjà bien pouvoir t'amuser. Et puis tu prendras les DLC au fur et à mesure quand tu auras fait le tour. Hein. Mais non, moi je trouve que c'est bien déjà. C'est une fois que t'as fait le tour vraiment du jeu de base, là tu peux penser à prendre les DLC. Hop, voilà, un slot de caoutchouc en plus. Puis là... Là, j'avais un problème de cigare à Manola. J'en ai plus assez.
parce qu'ils sont... Bah oui, c'est peu. Mais pour en refaire, c'est un peu tendu. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Parce que du coup, ça venait d'ici. Ok, alors attendez. Navire construit. Je vais refaire les entrepôts, les orchidées c'est rempli. Mais c'était bien pour le parfum. Nous pouvons faire mieux. Le besoin en parfum, il n'est pas ouf. Hein. Ça se fait. Je trouverai plus clair à l'intérieur. Et pourtant. Ça va là les stocks. Faudrait que j'en refasse. Quoique. Alors attendez, faut que je fasse passer ma route. Il y aura plus de parfum. Salut Conan. Dix mille ingénieurs sur l'île de l'Institut pour que ça développe au maximum. Oui, mais j'en ai pas assez. Et coucou Gat. Je comprends pas tout encore au jeu, mais il est cool. Est-ce que j'ai des conseils pour les débutants ? L'économie. Toujours regarder quel est ton bilan Paris là, et tes frais de maintenance, parce que c'est ça qui coûte le plus cher. Et bien vendre les ressources que tu produis en trop. Ça permet d'avoir un income régulier. Je pense que c'est vraiment ça. Je dirais. Après, non, juste s'amuser et puis. Puis c'est tout. Peut-être éventuellement laisser de la place entre les bâtiments pour plus tard et anticiper les rails aussi. Ça, c'est vraiment le truc. Parce que sinon, t'es obligé de déplacer tout plus tard. Donc, déjà savoir un petit peu en début de partie. Mais bon, quand on commence, c'est compliqué. Mais prévoir de la place pour les bâtiments qui arrivent, en fait. Faire des cases vides et les remplir au fur et à mesure. Est-ce que c'est pas genre dans 20 minutes, la petite réunion sociale ? J'ai dit vers 20h, 20h30. On se retrouve sur le Discord pour discuter. Oui, les dirigeables, ouais, c'est nouveau avec le dernier Season Pass. Tu l'auras pas dans le jeu de base. Ça a été... c'est dans le dernier. Ah, attends, je peux lancer ça. J'ai pas encore beaucoup de plantes, mais il y en a un petit peu pour qu'on commence. Faut que je vérifie bien. Ah là là, celui-là il me fait de la merde. Toujours, ce clipper. Je fais venir un peu de fer parce que bon. Mais ça ne fonctionne pas.
L'oisiveté est le symptôme de la confort. Et j'ai pas assez de vêtements de travail encore pour les upgrades. On va y arriver, hein. Je vais refaire encore des ouvriers ici. Et on va bien s'en sortir. Sinon j'arrête de faire venir du fer à un moment, hein. C'est que ça déborde. Jette-moi tout ça par-dessus bord. Je vais tout prendre là. Quoique ça m'ennuie, hein, le charbon. C'était ça. Ah, il en a plus. Parce que dans l'idée, il faudrait que je prenne deux stacks de charbon, deux stacks de métal. Je vais construire, attends, les ailes du palais. Et oui, il fallait que je prenne le plateau arctique. Donc j'étais venue là. Il me fallait des planches. Et des poutres d'acier. Par contre, je fais des fourrures, mais... Pars sur le cap. J'en ramenais que 50 en fait, c'est ça. Sinon je fais une frette, hein. Parce qu'un bateau commerciaux là, j'en ai qu'un seul qui vient. J'ai pas envie d'en faire beaucoup plus. Non, sinon je recharge, attends, j'en recharge là, 150. Des sioux pour l'arc. Merci Molal, merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Merci pour les sous-sous. Je veillerai à ce qu'ils soient utilisés correctement. Bon, je pense que c'est bien là avec les fourrures, ça déchargera un petit peu. J'aurais bien fait un entrepôt en plus. Petit entrepôt. Pas un entrepôt, pardon. Un dépôt. Mais pas là. Ouais, comme ça. Et du coup, le clipper de Lady Jen... Si, attends, je vais venir avec celui-ci. Et donc, pour le gaz, est-ce que je peux faire mon comptoir là? Alors là, j'arrive dans une incertitude de ce qu'il faut faire. Je sais plus, je peux pas reposer un truc là direct? Non, je sois sur le plat peut-être? Enfin, je suis plate là. J'ai plus de place. Je me rappelle que j'avais galéré à l'époque. Ça fait longtemps.
Ah, là je peux faire ça. Île déserte. Entraîne-toi à moi, c'est plutôt le design de la terre. Donc là, c'est que j'ai un truc comme ça. Mais alors attends, parce que comment je suis censé faire si je dois avoir des techniciens qui sont là pour exploiter ? Comptoir aérien. Comment ça marche ? Mine de gaz. Je te mets là, t'exploites les trucs. Il faut qu'il soit 250. Comment je fais venir 250 personnes? Parce qu'il n'y a rien en plus. Faut que j'installe genre des gens. Je fasse des maisons, le chauffage et tout le bordel. Mais j'ai pas de place. Comment on fait sans ressources? Faut que je fasse tout venir en dirigeable en aller-retour d'une île à l'autre. Et est-ce qu'on peut construire en dessous là? Est-ce que je peux pas le détruire une fois que je l'ai construit? Le comptoir? Faut tout faire venir en dirigeable, d'accord. Mais du coup, faut quand même que je fasse des gens qui habitent là. À partir de... Ça me semble complètement incongru de faire des habitations ici. Sur le peu de place que j'ai. Ça, oui ? Ah, c'est pour ça que j'aime pas l'Arctique. C'est un enfer. Oh là là. Mais... Ah non, mais c'est l'horreur. C'est l'horreur, l'Arctique. Ce qui t'a fait arrêter la première fois, l'enfer blanc. Ah ouais, non, c'est vraiment l'enfer. Vous persévérez là où les autres ont abandonné. J'ai promis que je vous récompenserai. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir ramené mon très cher Dieu. Je sais absolument pas comment me caler, ni où. C'est fait. Bon, écoutez. Ok. Donc je commence, je pose par mon réfectoire de toute manière. Je peux peut-être faire un peu de gens autour par là. Par contre, du coup... Mais même les charbons, le charbon, il faut le faire venir aussi, du coup. L'illustre Sir William Perry, quand j'étais petite, je me rejouais ses expéditions dans le jardin. Non, j'ai même appris par cœur les dernières coordonnées. Oh. Et toi? J'ai pas que ça à faire. La chaudière en premier? Mais la chaudière, il faut bien qu'il y ait du charbon. Donc il faut d'abord que je pose la chaudière et ensuite que je fasse venir le charbon. Quoique, la charbonnière, ça a l'air de... Non, il y a plus, faut la fertilité. Donc, non, la charbonnière, c'est pas possible. Faut faire chaudière et faire venir le charbon. Je suppose que si c'est là... Du charbon, du bois aussi, pour pouvoir construire. Il y a eu une explosion dans l'une de vos usines. Ah putain, j'ai plus assez de poutre d'acier. «
recycler les volets d'altitude. Non, la charbonnière, regarde dans les lingots d'acier. Non, charbonnière, fertilité manquante. C'est pas. Donc, charbon dans le dirigeable, bois. Attends, people qui vont se cailler des fesses, mais people quand même. Moi qui pensais que les descriptions du froid arctique par Victoria Shen étaient exagérées. On attend les ordres. Donc, je faut que je me débrouille avec 4 slots. Faut que je revienne déjà là. On tient le cap. Mais non, j'ai pas assez d'un dirigeable, il m'en faut un autre. Merde, attends, j'ai pas assez de moteur là. Mais si j'en fais venir, ça devrait être bon. ...250 techniciens par mine de gaz. Mais je peux pas déplacer la main d'œuvre qui est ici sur là, en fait. Y a pas un truc comme ça, là, pour faire venir la main d'œuvre. Que... Attends, si je fais une plateforme de dirigeable là, j'ai pas le truc de la main d'œuvre. Normalement, si. Un module. Non, le centre de tri aéropostal, merde. C'est pas ça que je veux. Enfin, après, je peux le faire, hein, mais. Ça serait trop facile, j'avoue. Ça serait mieux. Ça serait bien. On est paré. Parce que là, du charbon, j'improvisais pas du tout en rab en plus. J'en ai 5. Je vais pas aller très loin avec ça. Je vais être obligée de prendre des îles en plus. Non, parce que ça, là, il faudrait que je puisse mettre le truc dans le dirigeable. Larguez les rameaux de fermage. En présence d'un virtuose. Non. Et ouais, il m'en faut au moins deux. Enfin, une pour l'instant. Pémican et lampe à huile. Attention, vous marchez. On est comment? Parce que lampe à huile, il faudrait que j'augmente ma production aussi.
Et si je fais ça, j'ai plus de workers après. Oh, je suis très très dans le négatif. Mes sous. Ah, ça m'angoisse l'Arctique. C'est une découverte. Parce que c'est pas mal là. Quoi qu'il faut la chaleur, non? Mais si, il faut la chaleur. Si je fais une route qui relie... Non, ça marchera pas du tout. Non, parce que même... Au niveau du truc de baleine, là... Ça aussi, je suis un peu limitée, du coup, j'ai pas assez de travailleurs. Il m'en faut 30 pour là, il m'en faut 75 pour ça. Il faudrait que je puisse faire encore des habitants là. Mais du coup, il me refaudrait encore ça. Qui viennent globalement par là. Et donc du coup plus de charbon. À faire autrement. Celle-ci, elle se retrouve sans, sans chaleur. Et là, là c'est bon. Après 97%, c'est pas la mort, hein. Si je fais ça. Je peux pas le décaler plus bas. Par contre, les casernes de rangers, faut que j'en fasse une aussi, je pense. Ah, mais j'en avais déjà une. Ok. Donc charbon, pemmican. C'est que nos accords profitent à votre peuple et non à votre seule ambition.
Charbon, pemmican, lampe à huile. Attends, c'est une route aérienne du coup. Ah non, pour les routes aériennes, je crois que c'est que le courrier. J'avais déjà essayé. Île inaccessible par la mer. Mais attends. Parfois, mais... je me glisse dans le hangar, rien que pour voir le vieux Nate aboyer des ordres aux techniciens. Non, 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 attends. C'était bon. Si je choisis l'aéronef, il est où ? Morrigan. Là, c'est bon, ça marche. Donc, charbon. Que diriez-vous d'une tasse de café ou de thé ? Vous jouez depuis 2 heures. Filet de vent à pleine vapeur. Comment ça, j'ai pas de pemmican à Kim Williams. Non. Ok. Donc déjà ça. Et J'aurais pas cru ça de vous. Vous cachez bien votre jeu. Du coup, augmenter la production de pemmican. La viande, on a de quoi faire. C'était la pêcherie de baleine, du coup, il en faut encore plus. J'espère que l'entrepôt il va pas trop galérer. Donc au moins ça vient jusque là. Je crois que du coup c'est 2 pêcheries de baleines. Mais j'ai pas assez. S'est établi sur une île. Parce que ouais, c'est 2 pêcheries de baleines si je veux encore pour faire lampe à huile après. Quoique. On va voir déjà comme ça. Ils avaient pas le courrier qui était activé. Pourtant, attends. J'ai bien fait un bureau de poste. J'ai bien fait un bureau de poste. Pourquoi je peux pas activer le courrier ? Trop bizarre. Ça dépasse l'entendement. Par contre, puis en communiquant, là où j'ai merdé, c'est qu'il aurait fallu que j'en monte. Laisse dans le stock. Pareil pour les lampes à huile avant qu'ils me vident tout. Donnez le cap. Vous ne comprenez donc pas. Bah non. Le cercle vicieux. Green Knife, t'achètes des parts, toi. Il fallait que je vois s'il n'y avait pas des îles dans le sud. Quoique, il faut peut-être qu'ils partent pour le musée, donc... Je vais renvoyer un nouveau bateau, je vais aller au Cap Trelawney avec... avec ça. On va tarder à s'arrêter. Elias, faut que tu débutes. T'as un petit souci lorsque tu achètes un objet pour une expédition. Certains sont grisés et impossibles à acheter alors que t'as les fonds pour. Quand tu veux acheter un objet pour une expédition, c'est-à-dire, genre là, dans ce menu-là, quand tu dois mettre un. Ou alors sur les PNJ, je comprends pas. Bien ta question. Qu'est-ce qui est grisé ? Dans le port des PNJ, c'est grisé ?
T'as bien ramené un bateau juste à côté pour récupérer les ressources. Quelqu'un qui donne des points d'artisanat, par exemple. Et tout un bric-à-brac de pièces à refourguer. Il faut qu'il y ait un navire qui soit à côté. Est-ce que c'est pas ça? Parce que sinon je vois pas de quoi tu me parles. Non, si t'as les fonds, normalement il y a pas de problème. Hein. C'est... Là tu vois, il y a rien de grisé. Mais... Enfin, faut que tu fasses du commerce avec eux en fait. Je comprends pas. Parce que là où t'arrives pas. Il n'est pas censé y avoir de problème. Bah... Mais attends, des points d'artisanat. Qu'est-ce qu'on entend par point d'artisanat ? Genre un truc comme ça ? Je suis désolée, je vois pas comment t'aider, je comprends pas où est ton problème. Si là les trucs sont grisés ? J'ai jamais vu. Hein. Oui, exactement. Tu peux mettre un screen sur le Discord ou pas? Parce que si je vois, peut-être que j'arriverai à comprendre d'où ça peut venir. T'as bien un navire à proximité pour acheter des ressources. Et enfin, une fois que t'arrives à proximité du comptoir commercial du PNJ, faut que tu ouvres le menu de transfert. Et ensuite t'as un menu de commerce et faut acheter la ressource. Tu peux pas le faire ça? Ouais, non, sinon je vois pas bien. Nous n'avons pas les éléments pour produire une réaction. Comment ça se fait que j'ai plus de caoutchouc ici? Ça m'ennuie pour lui. Bon, ils sont 20 ici. Yeah. Je suis pas sûre d'avoir la chaleur jusque là par contre. Ok, lui c'est bon. Mais pas lui. Y a rien qui rentre là. Non. Quand on part à l'aventure, la facilité n'est jamais de mise. Parce que après le réfectoire, vers la caserne de Ranger. Là, c'est bon, je touche tout le monde.
contre là-haut, bah là-haut ça n'y va pas du tout. Non, du coup celle-ci est pas là. Dans les zones. Qu'est-ce qui se passe à Crown Falls encore? Plus 18 000. Bah non. Ah, t'as mis le screen sur Discord, attends, je check. Je regarde ça. Dans Global Jeu, ok. Effectivement, c'est grisé. Sauf 1, et quand tu passes ta souris dessus, ça dit quoi? Parce que là, ton bateau, il est rempli aussi, sur ta frégate que tu me montres. Donc, enfin après, non, je sais pas. Peut-être que c'est parce que ton bilan financier est négatif et que du coup tu peux peut-être pas acheter au-delà. Bah non, je sais pas. Pourtant ça marche sur un, pas les autres. Ouais, c'est très étrange. Hein. Pourquoi ça fait ça? J'ai jamais vu. Incompréhensible. Ouais, je... Non mais il doit y avoir une explication à la con. Hein. Je pense, hein. J'ai toujours rêvé d'une petite cabane. Mais oui, faudrait que tu passes la souris sur ceux qui sont grisés. Peut-être qu'il y a un truc qui est marqué, non? J'ai pas gagné beaucoup d'argent aujourd'hui, en tout cas. C'est Manola qui me fait perdre de l'argent en fait. Depuis tout à l'heure je suis sur Crown Falls, mais j'ai l'impression que c'est ici le problème. Parce que du coup, attends, si je produis du blé là. Vous asseoir à l'ombre. Je vais quand même faire un silo à engrais. Colonie pittoresque. Ouais, non, du coup, n'hésite pas à revenir pour nous dire hein, si t'as trouvé. Le pourquoi du comment, ça faisait ça. T'as trouvé, mais bon. Ceux en gris se mettent dans les emplacements pour marchandises. Et pas objets. Ah, donc c'est un problème de fret, en fait. Oui, mais c'est ça, oui, oui. Mais c'est que c'est pas la même chose. Les emplacements d'objets, c'est des bonus pour tes corporations, hôtels de ville, les bateaux et autres. Mais du coup, oui, tu peux pas ranger ici tous les objets. Les objets se rangent obligatoirement en haut. Donc moi, je pense que c'était parce que ton bateau était rempli et que du coup, tu pouvais prendre que le PNJ qui était qui donnait un buff pour le bateau, en fait. Tu peux acheter 20 objets maximum dans le délai affiché. Ah, et t'as acheté trop de choses. Peut-être qu'il a acheté trop de choses, tu crois? En peu de temps?
C'est peut-être ça, hein. Parce que là, ça pourrait bien que ça soit la bière, du coup, qui foire tout. Mais je suis repassée en positif. Une nature morte, sans le moindre élan. Alors, attends, on n'a plus du tout de parfum, comment ça se fait? Nos vivres ont disparu. Mais t'es sérieux? Moi qui les ai pris. Oh là là, mais c'est terrible. Les orchidées. Ça venait en goélette. Là, elle est presque arrivée, mais du coup, c'est que c'est pas assez. Là. Je prenais du chocolat. Ouais, non, je peux rien mettre de plus là. Peut-être juste refaire une petite goélette hein, pour ça. Ça devrait être bon. Hein. Je sais plus si j'ai fait un truc pour les bateaux ici. Je crois que j'ai pas fait. J'ai pas fait de chantier naval. J'ai des voiles, hein, il me semble. Je vais vérifier. Oui, j'ai des voiles. Bonne soirée 4-4. Des bisous. Je vais en faire deux. Elle est nouvelle cette musique ? C'est grisé quand t'as atteint la limite d'achat ou que les soutes sont pleines. Ouais, c'est ça. Hein. Ah, les bénéfices, oui, ça bouge beaucoup, ouais. Mais quand ils vont avoir de la bière, je pense que ça ira mieux. Non, mais c'est que ça manque de ressources. C'est que si l'approvisionnement en ressources descend de trop, tu perds énormément d'argent. Là, le parfum, par exemple, c'est 70 pièces par personne. Et actuellement, avec ce que je produis, soit 60%, j'ai 40 pièces. Donc si ça descend trop, j'ai moins de sous. Pareil, là, les machines à coudre, ils sont non plus assez. Et j'avais stoppé quelques productions aussi, donc... Je pense que là, c'est le manque de bois. Plus du tout de place. Enfin, j'en ai, hein, mais c'est la galère. Hein. Votre navire est revenu de son voyage. Bon, bah, je crois que j'ai pas trop de choix. Est-ce que je vais me mettre par là? Ouais, ça m'ennuie. Non, parce que j'ai quoi comme PNJ ici, là? Pas grand chose. Lui, c'était productivité.
Carrière d'argile, non, c'est de la merde. Marché, banque, plus de portée. Mais pas là. Non. Non, il n'y a rien de bien intéressant. Quelle ville est mes capitales? C'est Crown Falls. Ma capitale. Hissez le drapeau de la liberté. Donc là, hop, reprendre des orchidées. En plus, j'en fais 3 milliards. C'est juste que... c'était trop long. L'asile sur mon île. Vas-y, je vais les prendre. Par contre, il a pas acheté des parts de mon île, je sais pas quoi, là, encore. Vous ne mesurez pas ce qui est en jeu. Non, j'ai pas l'impression qu'il ait racheté des parts. Ce n'est pas que de la superstition. Du coup, oui, la capitale, c'est là. Tu vois, avec les gros, les gratte-ciel et tout. Bon, là, je suis bien en positif pourtant. On va vendre des costumes. Je suis un cyclone d'idées bouillonnantes. Et du coup, les lunettes, faut que je les fasse venir. Je suis pas sûre d'en avoir assez. Votre navire est revenu de son voyage. Attends, un coup positif, un coup négatif, je vous jure. Bon, il me refaut des machines à coudre, du coup. C'est que j'ai augmenté mon nombre d'obreros aussi. Ah mais non, parce qu'une fois que j'aurai le bois, ça va partir plus vite, ça va être mieux. Bon. On va s'arrêter là pour ce soir. Parce que j'avais dit qu'on discuterait sur le Discord, dans la taverne. Donc je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à me rejoindre sur le Discord.